C'est lundi et c'est le jour de votre rubrique Afrotech avec Arzuma Compaoré. Bonsoir Arzuma, ravi de vous retrouver. Bonsoir Jacques. Et bonsoir à tous et à toutes. Tout de suite, l'initiative Miss Africa Digital à travers la DCA Academy a annoncé un financement initial de 5 000 $ US pour encourager les Africaines dans les domaines de la science, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques. Le financement de cette année vise à créer davantage d'opportunités de formation en informatique, en leadership et aux emplois. Pour faire acte de candidature, vous devez être africaine, âgée de 18 ans au moins, soumettre votre demande en anglais, fournir des preuves d'une existence dans le domaine technologique et présenter un projet destiné aux femmes et aux filles dans le domaine de l'informatique. Alors, le programme Miss Africa Digital est le premier dans le genre, programme panafricain pour les femmes dans la technologie. Les inscriptions cette année ont débuté depuis le 10 mars et la date limite de dépôt des candidatures est le 2 juin 2019. Et dans votre focus de la semaine, je dois dire que vous allez parler de quelque chose qui, pour moi, paraît compliqué. C'est pas faux. Nous parlons aujourd'hui de géolocalisation entre les systèmes GPS des Américains, Galileo des Européens, Beidou des Chinois ou encore GLONASS des Russes. L'Afrique a-t-on toujours son système? L'expert en géolocalisation Herman Diosongo nous parle ici de l'importance stratégique des systèmes de positionnement pour le continent. Le GPS, c'est pas seulement le positionnement. Le GPS, le cœur du GPS, c'est le temps qu'il fournit. Il utilise des montres atomiques pour fournir le temps avec une exactitude dans le nanoseconde. Et on utilise ça aujourd'hui pour synchroniser beaucoup de systèmes, que ce soit les serveurs, que ce soit les réseaux électriques. Et donc, vous voyez que quand vous donnez votre cette domaine stratégique, vous dépendez de puissance extérieure. Le jour que vous êtes en conflit avec eux et qu'ils coupent ce câble-là, ben, naturellement, vous êtes sur le carreau. Donc, il y a certains pays comme le Nigeria, l'Afrique du Sud, qui ont compris ça. Et il y a ces pays-là, ils sont d'abord en train de faire de la recherche et puis voir dans quelle mesure quand même ils peuvent offrir au continent africain une certaine indépendance par rapport aux puissances que j'ai citées auparavant. Voilà, vivement donc plus de satellites africains dans l'espace. En attendant, l'Inde avec son système IRNSS et le Japon avec Mitsubishi sont les autres puissances qui disposeront bientôt de leur propre système de radio-navigation. Mais en fait, Arzuma, cette géolocalisation me donne une petite idée. Pourquoi ne pas créer une petite rubrique pour expliquer tous ces termes un peu compliqués, n'est-ce pas? Donc, je pense qu'on va y penser. Voilà, il faudra y penser. Alors maintenant, folie d'invention, Arzuma. Tout à fait. C'est une prouesse à la fois médicale et technologique qui nous vient de Chine. Pour la première fois, une chirurgie cérébrale effectuée à distance entre Hainan et Beijing grâce à la technologie 5G fournie par China Mobile. Le réseau 5G, caractérisé par une vitesse élevée, une large bande passante et un délai d'attente faible, a garanti la stabilité, la fiabilité et la sécurité de l'opération qui d'ailleurs s'est déroulée presque en temps réel, le contrôle du bras robot à distance ayant été possible grâce à un logiciel spécial. Aux dernières nouvelles, le patient atteint de la maladie de Parkinson se porte très bien après l'opération. Voilà, c'est sur ces notes que se termine Afrotech. On se dit à la semaine prochaine pour encore plus de tech sur le continent et partout ailleurs dans le monde. Voilà, l'homme qui comprend la géolocalisation, 5G, etc. Merci bien, Arzuma. Merci. À lundi prochain. À lundi prochain. Merci bien.